Tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau Call Case. En fait, il est un petit peu différent des autres. Mystérieux ce Call Case. En fait, je vais vous parler d'une série. La série The Watcher. Elle est inspirée d'une histoire vraie que l'on peut qualifier d'ultra flippante. C'est un corbeau maléfique qui habite. Un manoir hanté. Alors, je vais vous raconter un petit peu cette histoire dans un premier temps. C'est une série qui cartonne sur Netflix. Soyez curieux, si vous avez Netflix, allez regarder, allez jeter un œil. The Watcher raconte la descente aux enfers d'une famille fraîchement installée dans sa nouvelle maison et qui se retrouve harcelée par les lettres d'un mystérieux observateur. Tapis quelque part dans le quartier. Un pitch typique de cinéma d'angoisse, pourrait-on dire. Mais les scénaristes n'ont rien inventé. Comme souvent, la série est inspirée d'une histoire réelle survenue aux États-Unis, non pas au siècle dernier, mais il y a quelques années à peine. Retour sur la spirale d'épouvante qui a détruit le quotidien de la famille. Broadhouse la vraie famille l'ancienne demeure qu'ils ont habité à un cachet fou. En 2014, ce matin de printemps, Derek, Maria et leurs enfants sont sur un nuage. Après des mois d'attente, ils emménagent enfin dans leur nouvelle maison une superbe bâtisse située à Wedsfield. Dans la très chic banlieue ouest de New York. En plus d'être confortable, l'ancienne demeure a un cachet fou, avec son spectaculaire toit en pointe qui évoque les manoirs hantés. Les trois petits, âgés de 4 à 8 ans, commencent aussitôt à dévaler les escaliers en poussant des mugissements de fantômes. Une petite blague qui bientôt ne va plus faire rire personne. Le 4 juin, à peine trois semaines après leur emménagement, les Broadhouse reçoivent une lettre. Le courrier est signé The Watcher que l'on pourrait traduire par l'observateur ou encore le gardien. Son contenu, couché dans une écriture fine, a de quoi glacer le sang. Ma famille a reçu la charge de surveiller cette maison. Il y a des générations. Commence le mystérieux correspondant. Mon grand-père l'a fait avant moi, puis mon père. C'est maintenant à mon tour de prendre la relève. Les fenêtres et les portes me permettent de vous regarder et de suivre chacun de vos mouvements. Il serait préférable pour vous de ne pas rendre cette maison malheureuse. Stupéfaits, les Broadhouse lisent et relisent la lettre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, une plaisanterie En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Mais quelques jours plus tard, le couple reçoit un deuxième courrier. Qui commence ainsi Qui a les chambres qui donnent sur la rue interroge l'observateur. De toute façon, je le saurai quand vous aurez fini d'emménager. Je pourrai ainsi m'organiser de manière plus efficace. Je suis en tout cas ravi de connaître vos noms et celui des jeunes enfants que vous m'avez apportés. Des mots qui font penser à un mauvais film d'épouvante. Mais ce n'était qu'une introduction au final. Je vois que les jeunes enfants ont joué au sous-sol, poursuit l'individu. Ont-ils trouvé ce qui se cache dans les murs le moment venu, ils le découvriront. Alors je les appellerai et je les attirerai à moi. Je suis en charge de cette maison. Après la lecture de ce courrier, Derek et Maria inspectent évidemment le sous-sol, sans rien y déceler de suspect. Mais ça n'apaise pas leur angoisse. Chaque matin, désormais, c'est avec appréhension qu'ils ouvrent leur boîte aux lettres. Pire, en interrogeant le quartier, il découvre que le couple qui a vendu la maison recevait le même genre de lettres. Mais les petits malins se sont bien gardés de le mentionner lors de la vente. D'autres familles avaient du reste envisagé d'acquérir la demeure, avant de se rétracter, refroidis par les riverains. Certains voisins qualifient cette maison de hantée. De plus en plus inquiets, les Broadhouse vont trouver la police et déposent une plainte pour harcèlement. Une enquête est ouverte, ce qui ne dissuade pas l'observateur d'expédier de nouveaux courriers. Vous avez fait de bien, zoli, de bien jolis aménagements, écrit-il dans une troisième lettre. Mais la maison pleure son passé enfui et l'époque où j'y courais de pièce en pièce. J'imaginais alors ce qu'elle deviendrait lorsqu'elle appartiendrait à une famille riche. Et maintenant je vous observe et j'attends. J'attends le jour où les jeunes enfants seront à nouveau miens. De plus en plus effrayant. Le corbeau serait il un ancien propriétaire de la bâtisse, contraint par l'existence à s'en séparer? On ne trouve personne correspondant à ce profil dans les archives municipales. Y a-t-il eu un crime sous ce toit Auquel il aurait été mêlé Impossible à dire. Aucun événement notable n'a jamais été signalé au 657 boulevard, bloc 4108. Alors que le mystère ne, que le mystère ne fait que s'épaissir, le quotidien des Broadhouse empire encore. Chaque fois qu'une voiture passe au ralenti dans la pelouse, Derek et Maria paniquent. Le corbeau rôde peut-être dehors. Après un an d'enfer, les Brodhaus prennent finalement la seule décision qui semble encore envisageable. Déménager à nouveau. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car contrairement à leurs prédécesseurs, ils ont été bavards. Plus personne ne veut de leur maison. Et il leur faudra attendre 4 années avant de pouvoir la vendre, en y laissant 400 000 dollars de pertes sèches. La douche froide après le cauchemar. Alors la suite, me direz-vous. Les Brodhaus ont depuis porté plainte contre les vendeurs initiaux pour vis caché et vendu les droits de leur histoire à Netflix pour tenter de se refaire. C'est ainsi que la série The Watcher se retrouve aujourd'hui sur nos écrans, avec un scénario en partie romancé. La famille a refusé de voir la série, pas même quelques minutes pour ne pas raviver son traumatisme. Et les nouveaux occupants de la maison, demandez-vous. Eh bien, ils continuent de recevoir des courriers du fameux Corbeau, toujours sur le même ton. Et comme ils étaient prévenus, ils s'y font. Ou plutôt, il s'y faisait. Car depuis la, la diffusion de la série The Watcher aux États-Unis, de nombreux fans de la série veulent voir la vraie maison qui les a inspirés. Chaque jour, désormais à Westfield, c'est le défilé des voitures devant la vieille bâtisse. À touche touche sur le boulevard, les visiteurs passent au ralenti, scrutent les carreaux, scrutent la maison, s'aventurent même parfois sur la pelouse pour prendre des photos. Pour contenir ce flot de curieux, la police a même été contrainte de déployer des cordons de sécurité. Les occupants des murs n'en peuvent plus. On leur avait vendu une propriété avec un éventuel observateur. Maintenant, ils en ont dix mille. Alors que peut-on se demander Vont-ils se retourner contre les Bradaus et les attaquer pour vis cachés que peut-on dire là-dessus au départ j'avais pensé simplement vous la conter comme une histoire une histoire ésotérique mais à présent après l'avoir lue avant de vous la raconter eh bien j'ai décidé avec les cartes avec les supports eh bien de voir pourquoi cet observateur agit-il ainsi est-il fou A-t-il vraiment un rôle Qu'est-ce que cache cette maison Où habite-t-il Comment est-il D'autant de questions que l'on va essayer auxquelles on va essayer de répondre. Alors que peut-on dire sur cet observateur On va l'appeler observateur. Déjà dans un premier temps, Comment est-il physiquement Pourrions-nous avoir des indications Je vous montre aussi quelque part une méthode pour essayer d'obtenir pour ceux qui font de la, de la voyance, pour ceux qui se lancent dans, dans des tirages. Essayez la méthode. Vous pouvez copier ce que je, ce que je montre, hein, ça ne, ne me pose aucun souci. Mais la première question donc, pour ce tirage du corbeau, eh bien, comment est ce corbeau physiquement Quelle carte représente ce corbeau physiquement Alors, vous voyez, nous avons la carte de l'union. Certains auraient tendance peut-être à penser qu'il est en couple. Possible, mais ce n'est pas la question. Moi, j'ai demandé, comment, comment est physiquement cet observateur nous avons donc quelque chose qui a trait à son physique. Or si on regarde, que voit-on On a quelque chose qui est plutôt rond, ce qui me fait penser à quelqu'un qui n'est pas maigre, plutôt rondouillard, je dirais. Peut-être que si on le croisait dans la rue, on dirait, tiens, il est bien portant. Alors je dis il, parce que j'ai dit l'observateur. Hein Attention, je ne dis pas que c'est un homme ou une femme. Instinctivement, j'aurais tendance à préférer. Non, j'aurais tendance à dire que c'est un homme plutôt que préférer. Ma langue euh, a été trop vite. Et puis j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui a des cheveux clairs, courts, peut-être un peu hirsutes. Un blond ou des cheveux blancs, voyez. Physiquement, voilà le type de personne que semble être cet observateur avec une question posée ainsi. Mais maintenant, on pourrait se demander aussi, que cherche-t-il Que cherche cet observateur vis-à-vis -vis des habitants de cette maison Et là, nous avons une carte martienne. Alors Mars, c'est intéressant parce que c'est l'agressivité. Tout de suite, on ressent une forme d'aspect de, 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 négatif, agressif, de la tension. C'est tout l'aspect du septenaire de Mars. Mars qui est une action volontaire, on ne subit pas avec Mars. Il cherche à créer quelque chose. Et regardez, c'est intéressant parce que nous avons des oiseaux. Je vous rappelle que l'observateur est aussi appelé, euh, à un moment dans le texte, corbeau. Et puis il cherche avec une carte qui se nomme pour parler, à créer des tensions, des disputes, voire des inquiétudes. Mais des disputes aussi peut-être avec l'entourage. En fait, c'est quelqu'un qui cherche à semer une forme de zizanie autour de lui une forme de zizanie avec le voisinage aussi parce que nul nul doute il y a des tensions dans tous les sens alors on pourrait se demander il parlait du grand-père, du père de lui-même qu'ils sont les gardiens de cette maison on pourrait regarder si ça a évolué dans le temps voir si cette indication est vraie ou fausse mais on pourrait regarder aussi, et on va le regarder après, hein, ce que je vous ai dit, mais on va aussi regarder finalement, il a donné une indication en disant qu'il y avait quelque chose dans la maison, que les jeunes enfants le trouveraient tôt ou tard. Alors pourquoi des jeunes enfants le trouveraient et pas des adultes Déjà, on pourrait se dire, les adultes, par rapport à des jeunes enfants, il y a une chose qui est flagrante, la taille. La taille semblerait... Et vous voyez qu'on peut faire de la voyance et se poser aussi des questions, on va dire standard, comme le ferait un enquêteur. La voyance sert à avoir de l'intuition, sert à travailler son intuition, à donner des indications. Mais jamais dans la voyance, on ne vous empêche de réfléchir. Réfléchir pour trouver les bonnes questions. Qu'y a-t-il donc à trouver pour des jeunes enfants dans cette maison Et là, vous voyez, nous avons la carte départ. C'est une carte lunaire, en tout cas faisant partie du septenaire de la Lune. Le septenaire de la Lune, ce sont les inquiétudes, les angoisses, les peurs. En fait, on pourrait tout simplement se dire, parce que la carte départ, c'est l'idée de départ définitive, de fuir, on va dire. Parce que vous voyez, ces oiseaux étaient sur une île, ils ont tout dévoré sur l'île, il n'y a plus rien à manger, et ils se cassent de là, pour être très clair. Ils partent. Avec l'idée de ne plus revenir. Ce n'est pas l'idée d'un nouveau départ, c'est l'idée d'un départ définitif. Alors ce qu'il y a à trouver, ce qu'il y a à trouver, pardon, eh bien, pourrait tout simplement être l'idée d'un passage d'un passage à utiliser si quelque chose n'allait pas dans la maison. Un passage, pour moi, souterrain, mais c'est l'idée aussi que si quelque chose n'allait pas, c'est comme si la maison brûlait, vous voyez, et les enfants pourraient s'enfuir et les adultes ne passeraient pas, seraient détruits, seraient tués. L'observateur n'en veut pas aux enfants. Il ne cherche pas à leur faire du mal, il cherche avant tout à terroriser les adultes. Il y a donc dans son esprit un côté très agressif vis-à-vis -vis des adultes, extrêmement nuisible, mais sans y voir, attention, sans y voir de bonté vis-à-vis -vis des enfants, il ne cherche pas à agresser les enfants. Je dirais, il cherche à leur offrir une fuite. Serait-il tout simplement parce que psychologiquement, il joue avec les enfants Parce que nul doute qu'un enfant qui vient de perdre ses parents, même s'il arrive à s'enfuir, même si sa vie est protégée, il sera à jamais marqué. Et on pourrait demander. Est-ce que ça a un lien avec son enfance C'est une question, ce n'est pas une certitude. Comment était l'enfance de cet observateur Rien de particulier, si ce n'est une carte quand même qui reflète une certaine instabilité, une certaine liberté. C'est la carte hasard. La carte hasard est une carte jupitérienne qui dénote que toute l'enfance s'est déroulée de la même façon. Je vous rappelle, les cartes jupitériennes, c'est des cartes qui disent ⁇ Eh bien l'année 1, c'est comme ça, l'année 2, ça sera pareil, l'année 4 aussi, etc. ⁇ La continuité, l'expansion. Mais il était souvent livré à lui-même, un petit peu un enfant roi, mais dont on ne s'occupe pas. Beaucoup de choses lui étaient permises sans vraiment de contrôle. Ça ne donne pas d'indication pourquoi ça. Vous voyez que parfois, il faut poser des questions à un oracle, l'interroger, mais ce n'est peut-être pas la bonne question. Il faut reformuler les questions et ne pas hésiter à faire plusieurs petits tirages pour comprendre. Ceux qui tirent les cartes, je vous invite vraiment à utiliser ce genre de méthode. Vous utilisez les méthodes, vous utilisez des cartes. Interrogez votre oracle, posez-lui des questions, prenez une carte, il vous répond. Finalement, je vais demander à l'oracle, pourquoi souhaite-t-il soulever les enfants Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ça ne dit pas qu'il les aime ou qu'il ne les aime pas. Parce que, déjà, rien dans la carte ne le disait et surtout éliminer les parents forcément les enfants même s'ils se sauvent vont en souffrir mais lui il aime les enfants quelque part nous avons une carte vénusienne nous avons la carte amor que l'on peut traduire par amour c'est quelqu'un qui ne veut pas de mal aux enfants il les apprécie il les aime mais ça ne nous répond pas pourquoi J'ai posé la question tout à l'heure, comment était son enfance Je vais poser la question différemment, c'est pourquoi agit-il Quelle carte représente ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'il agisse ainsi envers les parents Je modifie légèrement la question. Alors je ne sais pas si vous avez vu moi je voulais celle-là et l'oracle me donnait celle-là je vais voir s'il y a une différence. Il semble que l'oracle voulait me faire part de quelque chose avec la mère. D'ailleurs regardez. Regardez un petit peu ce qui s'est passé dans le texte, écoutez plutôt réécoutez-le. Il a bien parlé que son grand-père était L'observateur, que le père était l'observateur, mais jamais il n'a indiqué que sa mère était l'observatrice. Il n'a parlé que des hommes de la famille. Il s'est passé quelque chose avec les femmes. L'étoile de la femme représente l'aspect féminin. Il y a toujours chez lui un problème avec l'aspect féminin. Et il y pense sans arrêt. Il y a une fidélité d'esprit. Vous voyez, moi, je voulais une carte qui est ici qui n'était pas assez précise. L'oracle voulait me guider ici. Celle-ci donne plus d'indications parce que là, je n'aurais pu dire qu'il était fidèle à une idée. Mais je n'aurais pas su quelle idée. Donc, quand vous tirez les cartes, faites confiance à l'intuition. Si vous voyez que l'oracle vous guide, vous appelle vers une autre carte, prenez-la, faites confiance à l'oracle. Faites confiance à l'idée première et non pas ne vous acharnez pas à dire je veux cette carte. Alors maintenant, eh bien, regardons si les grands-pères, le père, ont vraiment rempli ce rôle de l'observateur. J'allais dire, ont-ils vraiment existé Oui, alors là, c'était un petit peu maladroit de ma part parce que forcément qu'il a eu un père et un grand-père, cet homme. Comment ont évolué les générations de les générations avant cet homme cet observateur l'idée est de savoir s'il y a bien eu quelque chose avant lui ou si c'est quelqu'un qui invente tout Là, le point de départ est plutôt quelque chose, les pénates. Les pénates, c'est une carte qui indique qu on reste renfermé sur soi-même. On a peu de communication avec l'extérieur. C'est l'idée du de, oui, de, de repli sur soi. Donc, déjà, les générations avant, on ne semble pas avoir une indication comme quoi ils étaient dans l'observation. On aurait des cartes plutôt dans la communication, mais encore plus dans l'idée euh, d'agressivité. Mars donc. Repli sur soi, manque de communication. Au contraire, ce sont des gens qui vivaient dans une forme d'autarcie, couper des liens de communication. Là encore, nous retrouvons l'étoile de la femme. Mais c'est un conseil, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Non. Pour moi, vous voyez, très clairement, avec une carte ici, passion, une carte ici honneur. Au contraire, nous avions des gens qui respectaient plutôt leurs voisins. Nous ne sommes donc pas sur une famille d'observateurs. C'est totalement faux. Par contre, il semble bien que la femme soit au milieu de tout ça. Et que si on y réfléchit un tout petit peu, on peut sentir que la femme a un lien avec la maison. La mère de l'observateur y est venue. Lui y est venu. En étant petit, il connaît le passage. Un passage qu'il qui a remarqué. Je ne vous l'ai pas dit dans le texte, mais les enfants, j'ai échangé le mot. Il représentait, il disait plutôt, il parlait de son sang au lieu de parler des jeunes enfants. Ça a été volontaire de ma part parce que son sang était une... dans le texte, était ambigu dans le, dans le récit. Il y a quelque chose... En lien de cet homme, il a un trouble psychiatrique, c'est très clair pour agir de la sorte. Mais il a un lien avec cette maison, avec des événements sous cette maison. Il n'a pas été maltraité, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un problème avec sa mère et cette maison. Il a subi un traumatisme, sa mère a été déjà dans cette maison. Et on peut imaginer très bien ce qui a pu se passer. Il est rentré par ce passage et a surpris sa mère avec une autre personne. Je vous fais grâce des détails. Et voilà pourquoi il ne parle jamais de femmes. Voilà pourquoi il déteste les adultes. Il n'est pas observateur depuis des générations. Il a voulu observer ce qui se passait. Parce qu'il a subi un traumatisme en voyant sa mère dans les bras d'un autre dans cette maison. Alors voilà. J'espère que cet éclairage sur ce, ce récit et puisse. Ce, alors ce call parce que je l'ai mis dans cette catégorie. Mais n'oubliez pas, regardez cette série Netflix si vous avez Netflix, si vous avez l'occasion. Faites-vous votre opinion. Attention sur Netflix, c'est romancé, ce pas plus trop, euh, trop de liens avec la réalité. Mais prenez Internet et regardez. Regardez d'où vient cette série, l'effet réel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Parce que vous avez vu, vous avez peut-être senti, il y avait une forme de canalisation dans ce que je vous disais sur la fin. Je ressentais les événements, je les voyais presque. Donnez-moi votre avis, je lirai les commentaires, je n'y répondrai pas forcément en faute de temps, mais je les lirai avec intérêt. Et puis n'hésitez pas à lever le pouce et à partager la vidéo. Je vous donne rendez-vous en tout cas à tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos.